Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. On visite en moyenne une fois par mois un lieu insolite et ce mois-ci, on a choisi De visiter le musée du Fawett. Voilà, donc on est trois, on n'a pas prévu grand-chose, mais en tout cas, on a très très hâte de découvrir l'intérieur. Allez, suivez-nous maintenant. Avant de commencer l'exploration, on souhaitait vous faire une petite présentation des lieux. Nous sommes au musée du Fawett, à une trentaine de kilomètres de Lorient, en Bretagne. Le musée a été inauguré au XXe siècle et a été construit dans un ancien couvent d'Ursulines daté du XVIIe siècle. Une ambiance mystérieuse y règne, et des toiles étranges, presque magiques, y sont entreposées. Nous avançons dans les réserves. Nous découvrons la richesse des collections. Nous sommes surprises par la beauté de toutes ces toiles, mais également par le caractère effrayant de certaines. L'atmosphère pesante nous rappelle que nous sommes rentrés ici de nuit. Nous sommes seuls face à la grandeur de ce musée. Nous venons de découvrir un lieu abandonné et désaffecté juste à côté du musée. La tension règne. Nous avançons dans cet espace effrayant, loin de la tranquillité du musée. Nous décidons alors d'y retourner, mais nous n'étions pas préparés à ce qui allait arriver. Nous voilà au cœur de la toile. À proximité de la chapelle Sainte-Barbe du Fawett, nous découvrons les somptueux paysages, l'architecture et les traditions qui ont tant inspiré les artistes au cœur de l'histoire. Venez ainsi découvrir la richesse du patrimoine du Fawett et son musée de France.